bien-aimés du Seigneur, nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus. Je demande à Dieu, le Père Tout-Puissant, de répandre sa grâce et sa bénédiction toujours et encore sur vous. En ce matin, que votre vie soit comblée, que vos enfants soient comblés, que votre foyer, votre époux, que tous vos projets, votre travail soient comblés de grâce. Que votre destinée soit entre les mains de Jésus-Christ de Nazareth et qu'il dirige vos vies vers sa vie éternelle. Alléluia. En ce matin, nous bénissons le Seigneur pour la vie qu'il nous donne, pour la grâce qu'il nous donne, pour tout ce qu'il fait dans nos vies, pour tout ce qu'il déverse dans sa souveraine puissance. Seigneur Jésus, à toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance pour l'éternité. Et nous n'avons pas d'autre Dieu que toi. Et c'est toi que nous élevons en ce matin. En ce beau matin, Jésus, c'est toi que nous voulons célébrer. Nos âmes veulent rappeler de ta fidélité, ta bonté pour nous. Nos âmes veulent se remémorer de tous tes bienfaits, de tout ce que tu as fait pour nous, de la croix glorieuse, de ta mort, cette mort sur la croix, mais qui nous a valu la vie. Oh Jésus, Jésus, merci. Merci pour tout. Que ton nom soit loué. Alors, en ce matin, j'ai aimé le psaume de ce jour. Heureux les hommes intègres dans leur voie, qui marchent suivant la loi du Seigneur. Montre-moi la voie de tes préceptes, que je médite sur tes merveilles. J'ai choisi la voie de la fidélité. Je m'ajuste à tes décisions. Montre-moi comment garder ta loi, que je l'observe de tout cœur. Guide-moi sur la voie de tes volontés. Là, je me plais. J'observerai sans relâche ta loi, toujours et à jamais. J'ai lu le psaume 118, une partie du psaume 118. Cette psaume parle de la loi du Seigneur. Et le psalmiste est en train de supplier le Seigneur pour marcher selon la loi du Seigneur, selon les commandements du Seigneur, selon les préceptes du Seigneur, selon les commandements, la volonté de Dieu. Alléluia. Alors que ça soit notre prière de ce matin, que ça soit notre prière de ce matin, afin que Jésus-Christ, comme il l'a dit dans l'évangile de ce jour, puisse dire que nous sommes sa mère, nous sommes son père, nous sommes ses frères, nous sommes ses sœurs, nous sommes de sa famille. Parce qu'il dit, ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Alors nous savons que Marie a été la première en chemin à vivre cela, à mettre la parole de Dieu en pratique, à l'écouter, à le garder dans son cœur. Alléluia. Alors ce matin, mon frère, ma soeur, élève une seule prière. Dis au Seigneur, je veux marcher selon ta voix. Je veux marcher selon tes préceptes. Je veux marcher selon tes commandements. Je veux marcher avec toi, Jésus. Je ne veux ni me détourner à droite, ni me détourner à gauche de ce que tu veux pour moi. Alors Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Oh, tu es mon désir. Je ne veux que toi, Jésus. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras, je suis rassuré. Mon
montre-moi la voie qui me ramène à toi. Lui dire encore qu'il est tout pour nous, alléluia. Tu es tout pour moi. Oui, sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout dans ma vie. Garde-moi près de toi. Attire-moi à toi, Jésus, ne me laisse pas, oh, je veux tout abandonner, tout ce qui ne glorifie pas ton nom, Seigneur, et restaurer notre amitié. Tu es mon désir, oui tu le sais Seigneur, je ne veux que toi, oh, oh, oh. Oh, rien ne peut te remplacer, ni l'argent, ni l'or, ni les biens de ce monde, alléluia, dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi, garde-moi près de toi, garde-moi près de toi, garde-moi, garde-moi près de toi, dans mes souffrances, garde-moi près, alléluia, dans les tourments. Garde-moi près de toi. Même quand les soucis viendront, garde-moi près de toi. Quand la maladie fatiguera mon corps, garde-moi près de toi. Quand je perdrai patience, garde-moi près de toi. Quand le monde nous proposera quelque chose d'autre, garde-moi près de toi. Oh Jésus, garde-nous près de toi. 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 Que cette journée soit inondée de la puissance et de la grâce de Dieu. Que cette journée soit inondée par les bienfaits du Seigneur. Que cette journée soit inondée par la présence agissante et manifeste de Dieu. Et que le Seigneur nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.